Bon, c'est un peu refait, on a bien combattu, on s'est pas pris de dégâts, c'était cool. Ça a dû peut-être aller plus vite avec... faudra prendre des grenades acides pour les boss. Ah, je pense que ça sera grenade acide maintenant. Et le feu, c'est pour tout ce qui est... zombies et liqueur. Je me demande si le liqueur est mort de sa grenade. Parce qu'il brûlait, mais... vu qu'on était poursuivi, j'ai pas trop eu le temps de voir. Oh non. Ouais, attends, enfin, de toute façon, on va avoir une salle dans pas longtemps. Eh, plus grande qu'avant, je crois, j'ai l'impression, non? Ah, elle est pas en jupe non plus. Ça bouge pas! T'as réussi! Alors, comment est ta maman? Elle travaille à Umbrella. Elle fabrique un nouveau médicament important. Umbrella? Cette grande société pharmaceutique? Ma maman travaille beaucoup. Je la vois pas souvent. Oh, ça fait mal au genou. Tu la reverras bientôt. Le genou gauche qui saigne. Et où est ton papa? Il travaillait avec ma mère, mais il est parti. Oh. Moi, mes deux parents sont partis. Je n'ai plus que mon frère. Oh, je suis désolée. Pas de soucis. Et ça nous fait quelque chose en commun. Oh. C'est une bonne chose, non? C'est mignon. C'est trop mignon. Je vais pleurer. Ah là là. J'évite d'en prendre... Merde, putain, fais chier. J'évite d'en prendre trop, comme ça, si on en a, ça va pas nous faire chier à rajouter des stacks, en fait. Comme ça, on a 100. On a une grenade, on a du flingue. À la limite, on a peut-être pas besoin du lance-grenade pour le moment. Je sais pas. On va voir. Après, pendant le combat, il a gueulé chéri. Hein. Donc peut-être que... Que Annette, elle va l'expliquer. Normalement, c'est Annette qui explique à... Je sais pas qui, à Claire ou Léon, les deux peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on prend avec nous? C'est toujours un peu le problème, quoi. Qu'est-ce qu'on prend avec nous, quoi? J'ai l'impression que c'est du gaspillage de... d'utiliser le 9 mm. Je suis sûr qu'elle est fragmentée dans mon lit. bien le retour, Choco. Il est P1 en stream, R2. Ah, genre en première place? Waouh. Il n'y a peut-être pas les gros streamers de Fortnite, c'est pour ça. On est où du coup? Je me rappelle, on est à l'extérieur maintenant?
Ah non, non, on est dans le garage, ok, ok. Avec Ben. Viens. Allez. Là-bas. Wow. C'est fermé. Mince. Il nous faut la carte. Aide-moi. T'es sûr que c'est par là? On est déjà passé par là avec maman. Chérie? Je t'ai cherché partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. C'est qui? Ah, c'est pas le chef de la police? À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague? À terre, j'ai dit! Vite! Chérie, attache ses mains. Pourquoi vous faites la ça? Ferme. Ligote-la. Très bien. Tu la ligotes tout de suite, ou alors elle crève. C'est quoi ces conneries? Mise en danger d'enfant, pour commencer. Chérie, viens ici. Qu'allez-vous lui faire? Toi, ça te regarde pas. Mon frère étant le Stars, si tu la touches, je te jure que... Chérie, viens ici. C'est quoi ton nom? Dis-moi ton putain de nom. Claire! Chérie, tu viens avec moi maintenant. Ou tu peux dire adieu à Claire. Ok, ok, j'arrive. J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Ah oh, lui faites pas de mal, par pitié. J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Personne t'a enseigné les bonnes manières. On va y remédier. Adieu, ma mère. Bébé. Tiens bon, chérie. Ok. D'abord, la carte d'accès. Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré. On a récupéré le médaillon. On dit Yamete. Mais ça va, le thème il est très adulte, donc franchement, encore heureux que c'est pas tourné à le Dross, quoi. Yamete Kodosha. Ok, on peut passer par là ou là, ok. Ouh, ça va être fun. Chenil, enfin je crois. La clé de la voiture, je crois. Okay, on va faire ça directement. Iron, ouais. Il était pas censé protéger la fille du maire, je crois. Et elle est morte. Oh. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh.
Viseur laser ajouté. J'ajoute un viseur laser. Premier unit à utiliser un chargeur sur deux rangs. Sa puissance fut admirée en raison de sa grande capacité. Ah ben voilà, le JMB HP3 et c'est un 9 mm. On a un chargeur grande capacité pour lui. C'est une belle raclure. Ah ouais, le mec, c'est horrible. On le voit pas avec Léon. Bah ouais, enfin, je... Ils ont gardé le scénario. Et je crois que c'est tout, apparemment. Ils ont gardé la différence entre les scénarios. Mais après, les boss et tout ça, c'est vraiment très 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 similaire. Cool. Bon, Claire, elle est relou. T'as le SLS-60. T'as le Quick Draw et t'as le JMB maintenant. Donc on a trois pistolets principaux. Bon, le SLS, bon, c'est de la merde du coup maintenant parce qu'on a le JMB. Mais on a le Quick Draw qui utilise des 45 et qui utilise pas... Enfin, l'autre, il utilise du 9 mm. On a le lance-grenade en plus et on a la mitraille. Putain, il y a trop de trucs. Catastrophe niveau inventaire. Catastrophe. Ok, on continue. Alors ça, il faut de l'électricité ou pas? Grenade. J'ai compris, hein, j'ai compris le message. Herbe bleue, on va pas la prendre. Je dirais qu'il y en a deux.
Je me demande si je peux le tuer juste avec la mitraillette, mais ça m'étonne. Économiser les balles quand même hein, parce que on a... mais au moins ça c'est fait. Ils sont en train de bouffer les chiens quoi. Parce que passer ici plusieurs fois, waouh, je suis aveugle en plus, passer ici plusieurs fois avec ça dedans, non. Si on trouve rien qui se stack, on va devoir faire deux allers-retours, je crois. Alors ça c'est toi. Il faut la carte ou je sais pas quoi. Marcher, c'est ta passion, non? Oui. C'est quoi ça? Grenade. Bon ben, demi-tour. L'inventaire, quoi. Il y a vraiment trop d'armes avec Claire. Et du coup, trop de munitions. Quoi pour faire acide? C'est avec poudre noire, d'accord. Finir le jeu sans faire plus de 14 000 pas. Putain.
À la limite, tu le fais en même temps que... genre sans ouvrir une boîte. Je pense. Genre c'est ça, y a un défi comme ça, non? Sans ouvrir une boîte, boîte à objets. Parce qu'on fait des allers-retours, pourquoi? Parce qu'on récupère tout ce qu'il y a par terre et on va au à la boîte à objets à chaque fois. On va au coffre. Donc là, du coup, bah, ça marcherait en fait. C'est pas lui? Si, si. Saloperie! Non, 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 Claire. Lâche-toi, on n'a pas le temps. Tu utilises vraiment l'arme qu'il te faut, quoi. Enfin, l'arme avec le plus de munitions, je pense. Que tu trouves. Et après, tu te débrouilles avec ça, quoi. Tu prends que les objets de quête et tout. Après, bon, si on peut le faire en facile, pas très grave. Le chargeur. C'est pas un bisounours, non. Par contre, lui, il m'a directement capté. Hein. J'ai essayé de passer en dessous, il m'a directement capté. Il s'en fout. Encore des balles. On peut pas faire de grenade incendiaire. J'ai l'impression qu'on ne trouvera pas d'acide. Bon, on peut les tuer avec la mitraillette. Enfin, faut voir comment ils réagissent en fait quand tu le quand tu vides le chargeur dans leur tête, si ça les repousse, s'ils sont stun ou pas. Parce que là, le mec était aveuglé par la grenade. Ah, j'aurais dû prendre des grenades, mais... Ah merde, c'est trop tard, c'est chier.
Tout ça pour une pellicule ? 3F Locker, tu te fous de moi ? Je crois qu'on l'a... Là, c'est complètement du gaspillage parce qu'on l'a déjà ouvert, le 3F Locker. Merde. Bonne nuit, Maléville, et bon week-end. Merci beaucoup d'être passé. Même chien fumant. Ce type a dû venir de là. Ce salaud est le chef de la police ? J'aurais dû peut-être lire. Ah. L'intention des héros de Raccoon City. Qui est l'homme le plus craint et le plus respecté de la ville ? La réponse est évidente pour les habitants de notre belle ville. C'est ça, le chef de la police, Brian Irons. La terreur des criminels et le père strict, mais magnanime, qui aime tous ses citoyens en dépit de leurs péchés. Répondre à cette question en termes, la ville et ma famille, il est normal que j'en prenne soin. Waouh. Il est sympa, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, le GM déjà ? Je me rappelle plus. Réduit grandement le recul, stabilise le driver de tir. C'est le pistolet qu'on a trouvé ? Ascenseur express vers le bureau du chef, réserve au personnel autorisé. Irons et Wesker, c'est cool la police. Il est fou de taxidermie, lui, je crois. Copie d'email au chef Irons. En remerciement de votre soutien indéfectible, j'ai déposé une petite somme sur votre compte à utiliser à votre guise. J'espère que vous poursuivrez la surveillance de vos subordonnés, notamment les survivants du manoir. Débarrassez-vous d'eux si nécessaire. WB. Ah, c'est William Perkins. Je crois que c'était Albert Wesker pendant une seconde. Je suis confronté à un problème avec le siège d'Umbrella. Les dirigeants veulent s'emparer du fruit de mes recherches. Ne vous en faites pas, tout cela sera vite réglé. Continuez simplement de suivre mes instructions. Et tout ira bien. Vous devez accroître la sécurité de mon labo. Vos gorilles doivent tirer à vue sur tout individu louche. Quitte à le tuer. Et ce même s'il s'agit d'un employé d'Umbrella, je suis sur le point de terminer le virus G. Et aucun enfoiré ne m'en empêchera. Reprenez-vous et faites votre boulot. Je vous ai dit que j'avais besoin d'une sécurité accrue dans les égouts. Vous ne comprenez pas à quel point l'instant est critique. Je vous paierai ce que vous voulez quand j'aurai pris le contrôle. Pas avant, n'oubliez pas. Je ne peux vous remplacer. Je peux vous remplacer. C'est pas au négatif. GM79... Je sais pas. Ah, c'est ça. Ok. Ouais.
Ah, un peu mieux quand même. Et maintenant, ça prend deux places. Oh putain. Quoi qu'à la limite, je suis sûr qu'on peut jouer. Enfin, faut vraiment être au corps à corps. Quoi. Putain. Bah, il est pas si bâclé pour le moment le scénario, mais on va très vite. Hein. On va extrêmement vite. Hein. Comparé à ma première fois avec Léon. Mais c'est parce qu'on connaît la zone. C'est dur en fait de... Faudrait faire clair en premier. Pour quelqu'un qui a pas joué. Faudrait qu'il fasse clair en premier. Voir vraiment à quelle vitesse il va. Bon, ça on s'en fout du coup. Le casier 3F. Parce qu'on l'a fait le casier 3F. On est d'accord. 3F. Bon, on va le garder au cas où. Enfin non, de toute façon, si on ira dans la salle de sauvegarde, on ouvrira. Ça c'est moche par contre. À la limite avoir un vrai loup empaillé tout ça, bon dans un sens je peux comprendre, c'est joli parce qu'un loup c'est joli, mais ça c'est moche d'avoir juste les têtes comme ça, c'est très très moche. C'est très de mauvais goût. Journal de taxidermie. Zone de capture, montagne Arclay, ça c'est les... où c'est qu'il y avait le manoir. Content des résultats, mais je suis laissé travailler, je suis commun, j'aimerais passer les animaux plus rares. Je faillis jouir quand j'ai ouvert son ventre et que ses entrailles en sont sorties. J'en sens encore le fauve. Ça, c'est la vie. Une truie. Le corps se fait mener doux, tendre et entièrement blanc. Il est à moi pour toujours. Waouh! Mais le mec, il est complètement barge! Le mec est complètement barge. Ah non, c'est cœur. Okay. Un thème top 4. Yeah. Yeah, stylé le tigre. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est le badge. Je crois que ça va nous servir pour sortir. Oh la vache. Lettre du réparateur. Pièce de panneau électrique. C'est réseau de problème. Justement, les ordres des boutiques. Commissariat pour réparer la cloche de l'horloge. Justement, un réparateur d'une de nos boutiques est au commissariat pour réparer. Ok, alors l'horloge. Ah, il a emporté quelques pièces. Il a dit qu'en avoir laissé une dans la salle de stockage est. Ok, et la tour de l'horloge, ça marche. Je crois qu'on vient de trouver la clé. Ouais, le mec, il est légèrement psychopathe. Il se défoule complètement sur les animaux. Youhou! Clé corps. Yes. Y'a rien à ajouter. Si, ça, où est-ce qu'on est? Ah, on peut descendre maintenant. Salle d'observatoire. D'observation, interrogatoire. Et on peut monter à la terrasse, on va descendre.
j'ai rien pour bloquer les feux. Let me out! Vous savez ce qu'il y a, ce qui va me sauter à la gueule. Vous savez tellement ce qui va me sauter à la gueule. C'est obligé qu'il y ait un liqueur de l'autre côté. Non. Ah, pas ça! Moi, je l'aurais balancé contre le mur. Je l'aurais balancé contre le mur une 130 fois. Et au bout d'un moment, il serait cassé, quoi. Tout va bien. On dirait qu'il a des omoplates là qui ressortent. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Ah là 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 là, on tente pas, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe là? Oh la vache, relou. En plus je savais qu'il y avait le zombie et j'ai trop avancé en fait parce que elle s'est bloquée. Enfin bref, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, on va pas parler de Mr. X. Non, 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 non. On va pas en parler maintenant. Bon, on a carreau et cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va devoir monter.